Il y a 50 ans, on était plus sur un mode vertical dans les entreprises où un salarié avait l'information de la part de son supérieur qui lui-même l'avait de son supérieur. Il y a une vingtaine d'années, on est passé sur un mode plus matriciel et ou de projet. Donc aujourd'hui, l'instant où je parle, on est tous dépendants d'un chef, mais aussi avec un lien en tiret sur une fonction et dans plusieurs projets. Et petit à petit émerge cette notion de communauté où, dans mon entreprise, je fais aussi partie de ce type de réseau, de ce groupe d'affinités. Et les réseaux sociaux, Internet, ce qu'ils permettent, c'est simplement d'accélérer la mise en relation de ces différentes communautés. Faire appel pour se mettre en connexion à la fois en virtuel et en physique, la première question qui se pose, c'est quel est le meilleur mode de fonctionnement? Imaginons que ce soit le physique, et ben, il faut se rencontrer. Pour se rencontrer, il faut une agence de voyage qui vous fait voyager. Il vous faut un lieu pour vous rencontrer, un hôtel, une salle de réunion, une salle de conférence. Donc il y a tout un réseau de facilities qui a besoin d'être mis en place lorsque vous décidez de vous rencontrer physiquement. Si vous vous rencontrez virtuellement, c'est à peu près la même chose. Vous avez besoin aussi d'agents qui vont vous mettre en relation. Ça peut être des agents techniques, technologiques, ça peut être une plateforme communautaire, ça peut être simplement une webcam. Et également, il faut que vous ayez chez vous, sur votre lieu physique, les différentes facilities qui vous permettent d'accéder à ce réseau.